lu, je le saisis volontiers, parce que je l'ai vu comme suffisamment imité lors de la présentation d'un vœu au préfet des régions, M. Andrew Bois, qui vient de partir. On l'a également entendu lors de la passation de service le 2 mai 2024. Je vais finir par être un coup de magie voilà, partout où on le voit. Donc je n'ai pas prévu de parler. Cependant, si vous constatez, c'est la chefferie du village qui est représentée. Il y a le chef du village de Boulikiyi et il y a le chef du village d'Abira. Je voudrais, au nom de cette chefferie-là, saluer les organisateurs de celle-ci. Je voudrais saluer toutes les initiatives qui nous ont amenés à être présents ce matin et à bénéficier de l'expertise de cette ONG qui nous a conviés. Voyez-vous, quand on rentre dans un village le matin et puis on trouve des enfants dans le sable en train de jouer, on ne leur accorde pas de l'importance, on dit bonjour et puis on passe. Mais le soir, en ressortant, quand parmi les enfants on trouve des gens d'une autre génération, des gens à tête construits par des boulevards ou des visages arides, comme les deux dames que vous voyez sur la route, ou des vieux avec des pattes parfois fatiguées, c'est que ce n'est plus un jeu. Les gens sont en train de travailler. Donc nous sommes venus travailler avec l'ONG. Au stade où nous sommes, ce n'est plus un jeu. L'ONG est venue nous apporter de la santé. On ne peut pas jouer avec ça. C'est pourquoi on se joint, le chef d'Abima et moi-même, on se joint à cette ONG pour dire que nous poursuivons le même but. Nous, dans les villages, nous œuvrons pour la santé de nos populations. C'est l'une de notre raison d'être. Eux, ils gèrent aussi la santé. Donc nous devons être ensemble. C'est pourquoi je les salue d'avoir choisi mon nom pour lancer. Et si vous me constatez, quand j'étais là, je regardais Docteur Peter, je vais dire le pourquoi. Le richissime d'un côté du Nigeria, il est hyper riche. Et un de ses amis lui avait demandé un jour d'acheter des chaînes roulantes pour aller donner à des enfants. Bon, il avait négligé ça, il achetait des chaînes et puis dit à son ami, va. Donner aux enfants. Il a dit non, toi-même, il faut venir. Et il s'est présenté lui-même. Il a donné des chaises. Visiblement, il a senti que les enfants étaient contents. Et il y a un qui a roulé, et puis il est venu à ses pieds. Il s'arrête et puis il lui demande, qu'est-ce que tu veux encore? Et le petit dit non, je ne veux rien. Je veux juste regarder ton visage. Quand nous allons nous retrouver au paradis, pour que je continue de te dire merci. Voilà pourquoi je regardais son visage. C'est juste le jour où on va se rencontrer au paradis, que je puisse leur dire encore merci. On ne joue pas avec la santé avant tout. Donc eux et nous là, nous devons collaborer. Le chef de l'Église et le chef d'Abema sont prêts à collaborer franchement avec eux ou avec la structure qu'ils mettront en place en quittant. Je suis un chef de village, un retraité qui attend peut-être sa mort. Mais quand je vais dans une organisation,
dans une symphonie, je ne veux pas qu'il y ait de frustration. C'est pourquoi j'ai apporté quelques correctifs ce matin. J'ai dit non. Dès l'instant, le représentant du préfet est là, c'est lui qui doit ouvrir la scène. Il a ouvert. Et vous avez tous vu le discours. Il s'est rappelé avec ce discours qui nous a enseigné, qui nous a formé, qui nous a donné une idée de la place de la santé dans l'administration de la Côte d'Ivoire ou dans l'administration de Bangui. Donc, notre intervention nous a permis de bénéficier au moins de l'expertise de la préfecture de Bangui. Quant à moi, au début, on m'a passé la parole au moment où on devrait faire la prière de votre jardin. Dans la société où nous sommes, chacun à sa place. Les prières doivent être faites par les religieux. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Ça, c'est leur rôle. Et quand on doit faire des libations, ce n'est pas non plus nous. Il y a une famille qui a la paternité des libations ici. Donc ça, ça se prépare. C'est la famille bien. On ne peut pas se lever comme ça pour faire des libations. La société est bien stratifiée ici. La société est bien stratifiée. Donc chacun joue son rôle. Dès l'instant où il y a des musulmans, on ne peut pas se lever. Il faut laisser les musulmans pour faire leur travail. C'est-à-dire qu'ils communiquent avec Allah. Il faut laisser les chrétiens faire leur travail. C'est eux qui communiquent avec Jésus à tout moment. Quant à nous autres, nous nous communiquons avec les ancêtres. Et sur la terre de Bangui, ce sont les pères qui sont chargés de faire leur libation. Je voudrais être clair pour éviter toute frustration. En tant que chef traditionnel, je ne peux pas accepter une cible soit frustrée, encore moins qu'un homme soit frustré. C'est pourquoi j'ai voulu saisir l'occasion de ce micro pour expliquer notre comportement de ce matin. Merci à vous, que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à aller jusqu'au bout de votre politique.